bien-aimés frères, nous sommes à la 20e édition du Kairos. Kairos qui veut dire temps favorable en grec. Je veux vous inviter à entrer dans la révélation de la parole en cette 20e édition du Kairos. Cette 20e édition qui a pour thème la visitation de l'Esprit. Nous allons rapidement dans Luc chapitre 1er, le verset 40. Et nous lisons ensemble. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle entra donc dans la maison de Zacharie. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle salua Élisabeth, sa cousine. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, la mère de Jésus, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie de l'Esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car voici, aussitôt que la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Dis à quelqu'un, tu entreras ce matin dans une transe prophétique. Tu tressailleras d'allégresse ce matin. Tu tressailleras d'allégresse ce matin. Tu tressailleras de joie ce matin. Tu tressailleras de bonté ce matin. Tu déborderas de joie ce matin. Si quelqu'un m'entend qui me dise Amen. Si quelqu'un m'entend qui me dise Amen, que je continue. Alléluia. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Frères et sœurs, voici l'atmosphère. This is the atmosphere. Marie, mère de Dieu. Mère de Jésus. Mother of Jesus. Élisabeth, la cousine de Marie. Elizabeth, the cousin of Mary. Marie est enceinte. Mary is pregnant. Elle porte Jésus-Christ de Nazareth. She bore Jesus Christ of Nazareth. Élisabeth, sa cousine, est enceinte de Jean-Baptiste. Elizabeth is also pregnant of John. Qui a pour père Zacharie. Who have father Zacharia. Zacharie. Zacharia. Élisabeth. Elizabeth. Marie. Mary. Jésus. Jesus. Son ambition. Are in mission. Voici ce qui se fait. Yeah, that's happened. Marie est la sœur d'Élisabeth. Mary is the sister of Elizabeth. Dans relation de sœur. Relation, relation filiale. Relation fraternelle. Relation simple. Il se trouve que Dieu est en mouvement. God is in movement. Dieu est en action. God is in action. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, as he wants, pour atteindre l'objectif qu'il veut. To reach the aim he wants. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, and when you read the story of the church, vous vous rendez compte you notice that, que quand Dieu veut sauver des hommes, God wants to save il passe people, par des hommes. He went through il men, choisit des hommes. He chose men, il consacre des hommes. He consecrate men, il met des hommes en avant. He set them aside. Et voici ce que Dieu va faire. Yeah, that God will do. Dieu va permettre God will allow que la puissance de Dieu, that the power of God, que sa puissance, that is power, que son autorité, that is authority, que sa faveur, that is favor, que sa grâce, that is grace, que son élévation s'attache à deux personnes. Tied to two people, deux personnes two people, pour nous instruire, to instruct pour us, nous éduquer. To educate us. Qu'est-ce que Dieu va faire? What that God will do. Il va passer il will went par une relation familiale to a familiar pour bouleverser le monde. To Elizabeth est enceinte. Elizabeth is pregnant. Elizabeth. Elizabeth. Vois sa sœur. See her sisters. Sa sœur arrive. Sister's coming. La même sœur. The same sister. Avec qui elle a grandi. If you want to grow elles up, font les vacances ensemble. They're making vacation together. Aujourd'hui. Today. Le même Dieu. The same God. Mais dans une autre circonstance. But in another circumstance. Dépose quelque chose sur Marie. Put something on Mary. Et permet à Marie. And allow Mary. D'aller rendre visite à sa sœur. And visit her sister. Pendant que la même Marie. While the same Mary. Est habituée à Elizabeth. Is accustomed to Elizabeth. Elle vient. She came. Sagement. Et poliment, elle lui adresse une salutation. And make a greeting to elle her. La salue. She greet her. Bonjour cousine. Morning cousin. Bonjour Elizabeth. Morning Elizabeth of God says. La Bible dit. The Bible says. Quelque chose s'est passé dans la vie d'Elizabeth. Something happened in the life of Elizabeth. Qu'est-ce
passé? What happened? Il y a eu une fusion. There was a fusion. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il y a eu une transfusion. Transfusion. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Il y a eu un mouvement. There was a movement. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Il y a eu une motion. There's a motion. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Il y a eu un déplacement de l'esprit. There's a movement of the Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Il y a eu une connexion. There's a connection. La Bible dit. The Bible says. Bonjour Elizabeth. Morning Elizabeth. Bizarrement, what? Ce bonjour n'est plus greeting un bonjour habituel. It's not a usual one. Mais ce bonjour this greeting ouvre une nouvelle porte. Open a new door. Dans la vie d'Elizabeth. In the life of Elizabeth. Pendant que why? Marie ouvre la bouche. Mary opens her mouth. Et qu'elle dit bonjour. And say morning. Et qu'Elizabeth entend le bonjour. And Elizabeth hears a greeting. Et que la parole frappe ses oreilles. And the word comes la to her Bible dit the Bible says qu'il y a réaction. There's a reaction. L'enfant au-dedans d'Elizabeth. The child into Elizabeth. Il tressaille. Il bouge. He moves, il réagit. He moves, il est activé. Il réagit. Jean-Baptiste John the Baptist attendait heard la visite de Jésus the visitation of Jesus pour commencer to start une autre mission. Another mission. Elizabeth, Elizabeth sous l'onction, under the anointing, sous l'esprit, and under the spirit, va prophétiser. Will prophesy. Aujourd'hui, today, elle ne voit pas Marie, we don't see Mary comme sa sœur, as a sister, comme sa cousine, as a cousin. Elle déclare, she declares, sous l'onction, under the anointing, elle déclare, she declares, sous la prophétie, under the prophecy, elle déclare, she declares, sous la grâce, under the grace, elle déclare, she declares, sous l'esprit de Dieu, under the spirit of God. Qu'est-ce qui se passe? That what's happened? Qu'est-ce qui se passe? What's happened? Quel honneur j'ai? What a honor I have. Que la mère that the mother de mon sauveur of my savior vient jusqu'à moi. Come to me. Elle ne dit pas. She didn't say. Marie. Mary. Tu n'aurais pas dû venir. You didn't want to come. Elle n'appelle pas par son nom. She didn't call her by her name. Elle l'appelle. She called her. La mère the mother de mon seigneur of my lord de mon sauveur of my savior. Et la Bible dit. And the Bible says. Elle précise. She precise. À l'instant. At the same la Bible time, dit. The Bible à says. L'instant. At the same au time. Au moment. At the moment. Aussitôt. Pour préciser le temps, to precise the pour time, insister sur le temps, so on the time, pour dire, to say, tu n'as pas d'habitude, je n'ai pas cette réaction. I didn't have this reaction. Avant que l'Esprit de Dieu ne vienne sur toi, je n'avais pas you, cette réaction. I didn't have this reaction. Mais depuis que l'Esprit est venu sur toi, et que tu as conçu you, quelque chose dans l'Esprit, spirit, aujourd'hui que tu m'as salué, greet me, tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'enfant au-dedans de moi a tressailli. La Bible dit, the Bible says, l'enfant a tressailli. C'est dit. That's me. C'est Marie. That's Mary. Elizabeth. And Elizabeth. Surtout Elizabeth avait un problème. Elizabeth had got a problem. Quand en hébreu, when in Hebrew, on utilise le mot tressaillir. We use the word move. C'est pour parler de trans. It's to think about something that don't come usually. Je soupçonne. I'm suspecting. Qu'Elizabeth. That Elizabeth. Avait l'intention. Have the intention la même semaine the same week d'aller voir un gynéco to go and see a doctor pour dire l'enfant bouge pas trop to say the son is not moving je ne le sens as pas. I wish I don't feel in heat peut-être qu'il vit c'est vrai maybe he's living bad mais je le sens pas but I'm not feeling it Dieu envoie Marie God send Mary dans la maison d'Elizabeth in the house of Elizabeth pour dire à Elizabeth to tell Elizabeth je ne t'ai pas oublié I didn't forget about you même si rien ne bouge dans ta vie even nothing seems moving même in your si tout life le monde se marie avant toi even everybody is married même before si on you sent tout bloqué dans ta even vie everything seems to be blocked Dieu in vient your life à travers ce Kairos God comes through this Kairos je dis to tell you je ne t'ai pas oublié I didn't forget you ce Kairos this est ton Kairos is your Kairos Elizabeth dit Elizabeth quel honneur j'ai what an honor I have que la main de mon Seigneur that the mother of my Savior jusqu'à moi came till me à l'instant même at the right time tu m'as salué you greet me l'enfant au-dedans de moi the child into my womb a tressailli moved a prophétisé prophesied a bougé moved l'enfant a été mis en mouvement the son has been en d'autres termes put in movement in other l'enfant words l'enfant était là the child mais was quelle there était sa mission but what was his mission fusion the fusion, à travers l'échange, l'enfant a reçu the sa mission. The child received c'est pour dire oui à la mission qu'il a tressailli en dedans de moi. J'ai l'honneur de t'informer ce matin que la parole de Dieu va tressaillir dans that tous les aspects of God de ta vie. In every area of your life. La visitation de l'Esprit. The visitation of the Holy Spirit. Le regard de Elizabeth a changé. The side of Elizabeth changed. Si tu n'as pas la visitation de l'esprit, you don't have the visitation of the spirit. Ton regard ne peut pas changer dans les choses de Dieu. Your side will never change in the things of God. Non. No. Non. No. Non. No. Marie avait le regard de Dieu. Mary had the side of God. Elle avait la visitation de l'esprit. The visitation of the spirit. C'est pourquoi elle a laissé Jésus aller en mission. That's why she let Jesus go in mission. Quelle mère normale?
What normal mother? What a normal mother? Quelle maman normale? What a normal mother? Quel parent normal? What a parent normal? Peut laisser son enfant? Relieve a child. Son unique. His unique. Aller à l'abattoir. Go to the go to death. Quelle mère normale? What a normal mother? Peut être à la croix? Can be at the cross. Voir son enfant crucifié. See a child crucified. Et puis ne pas monter sur la croix. And not go casser to the la cross. Croix. Break the cross. Pour enlever le clou. And remove. Pour dire à son fils, lève-toi là à la maison. Leave and we go home. Quand tu reçois l'esprit, when you receive the spirit, quand tu reçois la visitation when de l'esprit, you receive the visitation of the spirit, ta mentalité change. Your mentality change. Alléluia. Hallelujah. La visitation de l'esprit. The visitation of the spirit. La visitation de l'esprit. The visitation of the spirit. Lorsque vous recevez l'esprit, when you receive the il vous sanctifie. It sanctifies you. Il vous sanctifie. It sanctifies you. Et vous apporte aussi l'approbation de Dieu. And bring you the approval c'est of God. C'est l'approbation de Dieu. It's the approval c'est of God. C'est la marque de Dieu. It's the mark of c'est God. C'est le manteau de Dieu. C'est le tampon de Dieu qui vous apporte l'onction. That brings you the anointing. Alléluia. Hallelujah. Une femme s'appelait Sainte Catherine de Sienne. A man was named Saint Catherine of Sienne. Elle était de petite taille. Mais elle était onctionnée. But she got anointed. La grâce de Dieu s'est sur sa vie. The grace of God was upon her life. Elle a eu la visitation de l'esprit. She got a visitation of the spirit. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Elle était missionnaire. She was a missionary. En tant que missionnaire, as a missionary, elle était obligée d'annoncer la parole de she Dieu. Was obliged to announce the word of God. Il se trouve que son frère, that's her brother, son collègue, a colleague, son voisin, a neighbor, ne peut pas l'accompagner en mission parce qu'il est malade. He couldn't go with her in mission because he's sick. Elle arrive à son immeuble. She came to her building. Où est mon frère qui m'accompagne toujours en mission? Where's my brother who's accompanying him already in mission? Où est le baptisé confirmé? Where's the baptized and confirmed? Où il est? Where is he? Où est-ce qu'il est? Where is he? Où est-ce qu'il est? Where is he? On dit désolé aujourd'hui, il ne peut pas t'accompagner en mission. He can go with you today. Tu iras seul. You will go alone. Mais pourquoi? Why? Parce qu'il est malade. Because he's sick. Il est malade. He's sick. Il est très malade. He's so sick. Et ce n'est pas évident qu'il s'en sorte. Il arrive d'un moment dans nos vies. It's come a time in our life. Nous sommes malades financièrement. That we are financially sick. Nous sommes malades moralement. We are morally sick. Nous sommes malades psychologiquement. We are psychologically sick. Nous sommes malades matériellement. We are materially sick. Nous sommes malades à tous les niveaux. We are sick at every nous level. Nous avons besoin d'une situation décantée. We need a situation pour être heureux et épanoui. To be happy in our life. Voici ce que le frère avait. This is what the qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine of Sienne. A exercé son autorité. Exercé son authority. En tant que baptisé. As a baptized. En tant que confirmé. As a confirmed. En tant qu'attaché à l'église. As tied to church. Elle a exercé son autorité. She exerced her authority. Elle dit ce n'est pas possible. It's not possible. Ce n'est pas possible. It's not possible. Que je sois loin. That I've been que je sois rempli. That I've been full. Que je sois choisi par Dieu. I've been chosen by God. Que je sois mis à part. I've been set aside. Et que devant cette situation, je ne prononce pas de paroles. I couldn't pronounce words. Je vais exercer aujourd'hui l'autorité que l'église m'a donnée. That church gave to me. The church said je suis prêtre. I'm priest. Je suis prophète. I'm prophet. Et je suis roi. And I'm king. Aujourd'hui, today, je vais exercer I will exercise la dimension prophétique. The prophetic dimension. Et Sainte Catherine de Sienne. And Saint Catherine of Sienne. Se met en colère. Elle appelle son frère par son nom. And she called the brother by his name. She brother. Frère. Brother. Frère. Brother. Descends. Come down. Tout le monde la regarde. Everybody was looking at her. On dit on va voir. She said we'll see. On va voir. We will see. On va voir. We will see. C'est comme quelqu'un à Ebola. Is that somebody that got Ebola? On l'a mis en quarantaine. You put this person aside. Et puis tu arrives à la sphère. And you arrive to the sphere. Tu dis descends, on va aller servir Dieu. You say come down, we go to and serve God. On sait que ta prière peut agir. We know that your prayer, il peut se retrouver dans une semaine. You can meet into 1 week. Dans 2 semaines. In 2 weeks. Dans 1 mois. In 1 month. Sainte Catherine de Sienne dit. Saint Catherine of Sienne says. Je suis venu le chercher. I come to voilà mission aujourd'hui. To have him to go on mission today. Dis à quelqu'un. Tell somebody. Si tu changes ta vision. If you change your vision. Dieu changera ton élévation. God will change your elevation. Sainte Catherine de Sienne dit. Saint Catherine of Sienne says. Au nom de mon baptême. In the name of my baptism. Au nom de ma confirmation. In the name of my confirmation. Frère. Brother. Je t'ordonne. I order you. Descends. To come down. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et de venir en mission. And come go to mission. Elle a fini de parler. Je me suis apporté son pantalon. The man wears trousers. He meant shirt. Il a pris les escaliers. He took the upstairs. Il est descendu. And he came down. Allons en mission. He said, guérison authentique. Go mission. Guérison instantanée. Genuine. Guérison actuelle. Genuine healing. Le même Dieu. The same God. Qui agit avec Sainte Catherine de Sienne. Avec Sainte Catherine. Il n'a pas changé. He never changed. Il n'a pas changé. He never changed. Quand vous regardez son histoire. When you look to his story. Quand vous regardez son histoire. When you look to her story. Elle n'a pas plus de 1m50. She don't have 2 meters. Donc sa taille n'était pas
Elle était délivrée. She was delivered. Elle savait. She knew. Que telle qu'elle était. That as soon as she was. Telle qu'elle était. As she was. Elle était l'image de Dieu. She was the image of elle God. Était l'image de Dieu. She was the image of God. Dieu n'agit pas dans nos vies. God didn't act in our lives. La visitation n'est pas effective. The visitation is not effective. Parce qu'on ne sait pas encore accepter. Because you don't know how to on accept. Se met à la place des autres. We put out to the place on of disparaît. Other. We disappear. On disparaît. We disappear. Et on veut ressembler aux autres. We want to resemble to the on other. Veut ressembler aux autres. We want to resemble to à the force other. De vouloir ressembler aux autres. I want to resemble to on the other. On tombe dans la chirurgie esthétique. We come to esthétique. Mon nez est trop plat. Faut que mon nez soit long comme pour blanc. May my nose be like bon, je suis trop noir. I'm so je veux devenir blanc. I want to be white people. Bon, je suis trop court. I'm so short. Je veux porter des talons comme pour les femmes. I want to wear shoes like women. Tu as un problème. You got a problem. Si tu t'acceptes pas, if you don't accept yourself, la grâce de Dieu ne peut pas descendre dans ta vie. The grace of God couldn't come down in your life. Dis à quelqu'un. Tell somebody. Accepte ta bouche comme elle est. Accept your mouth as she is. Accepte ta tête comme ça est. Accept your head like it is. Tout le monde peut pas porter la même perruque. Everybody can wear the same wig. Et si était clair comme toi, pour moi, était bon, j'étais if marié, fini. Person, tu as vaincu. Me. You are defeated. Et si moi j'avais ta taille là, j'allais faire mal à Abigail ici. And you have good thing in Abigail tu as vaincu. You are defeated. Il y a des hommes qui maudissent leurs parents. That are cursing their pourquoi parents? Je suis né dans une famille pauvre? Why I'm born in a poor family? Dis à quelqu'un. Tell somebody. Accepte ton mari tel qu'il est. Accept your husband how he is. Tu l'as vu comme ça puis tu l'as accepté. You saw me and you accept him. Donc continue. So keep on. Dis à quelqu'un accepte-toi comme tu es. Tell somebody accept you as you are. Si tu ne t'acceptes pas tel que tu if es, you don't accept yourself as you are. Dieu ne peut pas relâcher sur toi la grâce. God can release grace upon you. Voici ce qui t'a manqué. Yes, that lacks in you. Tu as développé des complexes. You developed complexes. En public, tu ne parles pas. You can speak publicly. Qui est pas en ma bouche. Ça c'est quoi ça? What does it? C'est pas parce que tu es timide. Not because you are shy. Mais depuis ton enfance, since your childhood, on t'a insulté. Insult et ta bouche là. With your mouth. Et ta bouche là. Your mouth. Et ta bouche là. Your mouth. Tu viens dans l'œuvre de Dieu. You come to the work tu peux pas God. Faire adoration. You can be worshiping. On dit adore le Seigneur en esprit en vérité. Tu dis si j'ai ouvert mon cœur. My mouth that we look into. Dis à quelqu'un à côté de toi, tell c'est pas de toi. Next to you is not about you. La visitation de l'esprit. The visitation of the spirit. Ça passe par la guérison intérieure. It's not through inner healing. Accepte-toi tel que tu es. Accept you as you are. Pour que Dieu relâche sa grâce so sur toi. So that God releases His grace pour upon féconder, you. Pour t'arranger. You. Mais avant de t'arranger. Before setting you. Faut que tu t'acceptes tel que tu es. You have to accept you as you are. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un est prêt à passer à une autre dimension avec somebody Dieu? Somebody is ready to go another dimension with God. Jésus vient nous donner la vie. Jesus came to give par our le life. Saint-Esprit. Through the Holy Spirit. Nous avons reçu la puissance. We received the power. Qui est dans le Saint-Esprit. Which is into the nous avons Holy reçu Spirit. La différence. We received difference. Qui est dans le Saint-Esprit. Which is into Holy Spirit. Notre vie est différente. Our life is different. Du règne animal. Du règne végétal. Vegetal reign. Notre vie est humaine. Our life is human. En plus. In addition. 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 Elle est surnaturelle. She is supernatural. Dieu s'est fait nous. God make it Dieu s'est dédoublé. God make it same Dieu a fait de nous. God make us. Des dieux. Another il nous a créés à son image. He created us his et image. À sa ressemblance. And as his resemblance. Dieu nous a fait ses représentants. God make us his representatives. Sur la terre. On earth. C'est pourquoi il nous a dit. That's why he tell us. Dominer. Dominer. Assujettissez. Régner. Reign. Mais si tu n'as pas accepté ton identité, you don't accept your identity, tu ne peux pas dominer. You can't dominate. Tu ne peux pas régner. You can't reign. Qu'est-ce qui te manque? What, qu'est-ce qu'il a manqué dans ta vie? What lacks in your life? Alléluia. Alléluia. Il faut simplement activer you don't la grâce que tu as reçue. Il faut seulement activer la grâce you que tu as reçue. Nous sommes confondus à Dieu. Nous sommes confondus à Dieu. We are same like God. Nous sommes confondus à Dieu. We are same like God. Et par le baptême, and through our baptism, nous participons à la nature divine. We are participating to la nature divine. The divine nature. Donc nous avons revêtu Christ. So we clothe Christ. Nous avons porté Christ. We clothe Christ. Nous avons porté Christ. We clothe Christ. Quand tu portes une veste, when you clothe, on dit que tu es sapé en veste. Quand tu portes une chemise, on dit que tu as mis une chemise. So you wear a et quand tu portes Jésus, when you wear on dit Jesus, tu as revêtu Christ. So you clothe tu as revêtu Christ. You clothe Christ. Ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Mais si Christ est en toi, il provoque en toi des choses. Qu'est-ce qu'il provoque? L'engagement. Qu'est-ce qui provoque? What is la détermination. Determination. Qu'est-ce qui provoque? What does it provoke? La fierté. Proud. Fierté. Proud. Fierté. Proud. Fierté. Proud. Fierté. Proud. Fierté. Proud. Proud.
être enfant de Dieu. To be a child of God. Il y a des gens. There are people. Qui perdent leur casquette d'enfant de Dieu. Who wear the hat of son of God. Quand ils sont avec leurs amis. When they are with their friends. Leurs amis sont plus importants que Dieu. Their friends are more important than God. Ils préfèrent laisser Dieu. They prefer to keep et God. Et se défendre devant son ami. And be defending them before their friends. Il a honte de Dieu. She shame of God. Il peut pas porter tricot où on écrit Jésus dessus. He can't wear a shirt with Jesus on him. Il peut pas. He can't. Il peut pas prier en public. He can't pray publicly. Il peut pas porter croix. He can't wear a cross. Quand il vient à la prière, when he came at the prayer, il est obligé de se cacher. He's obliged to hide himself. Parce que dehors on connaît sa vie. Because inside they know his life. Dis à quelqu'un. Tell somebody. Change ta destinée. Change your destiny. Change ta destinée. Change your destiny. Notre finalité. Your hands. C'est que nous sommes des pèlerins. That we are pilgrims. Nous sommes des missionnaires. We are missionary. Nous devons adapter notre vie. We have to adapt our notre life. Notre mode de vie. Our lifestyle. 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 À l'esprit. To the spirit. Que nous avons reçu. That we have received. Nous sommes sur la terre. We are in heaven. Pour quelque temps. For some time, pour aller rendre compte après à celui qui nous a envoyé sur la terre et que nous serons de retour, qu'est-ce que nous allons lui dire? What are we going to tell him? Qu'est-ce que nous allons lui dire? What are we going to tell Seigneur, him? Qu'est-ce que j'ai fait avec la beauté what que tu m'as donnée? Seigneur, comment est-ce que j'ai utilisé la voix que tu m'as donnée? Seigneur, comment est-ce que j'ai utilisé les moyens financiers what que tu m'as donnés? Seigneur, comment j'ai éduqué les enfants what que tu m'as donnés? Dis à quelqu'un, tell somebody, sois fier d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Sois fier d'avoir Jésus-Christ Jésus-Christ dans ta vie. Adapte ta vie. Adapte ta vie. Adapte ta vie. Au style de Jésus. 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 Les temps sont grands. Les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. C'est le moment de changer de vie. Je veux conclure mon message. I want to end my message. Demain ne nous appartient pas. Tomorrow is not belong to us. Aujourd'hui. Today. Tu dois évacuer le contentieux qu'il y a en Dieu et toi. That you evacuate the quarrel that between you and God. Aujourd'hui. Today. Ton éternité doit être réglée aujourd'hui. Your eternity has to be solved today. Ce n'est pas demain. It's not tomorrow. Ce n'est pas devant la mort. It's not before death. C'est aujourd'hui. It's today. Le thème de ce soir. The theme of this evening. C'est la visitation. It's the visitation. L'effusion. The fusion. Être rempli par l'esprit. Be full of the spirit. Mais pour être rempli par l'esprit. But to be full of the spirit. Il faut être vide. You have to be empty. Il faut être vide. You have to be empty. Il faut être vide. You have to be empty. Vide. Empty. Fais la paix avec Dieu. Make peace with God. C'est cela être vide. That's to be empty. Et quand on est vide, and when we are empty, il plaît maintenant à Dieu it please God de nous remplir. To fill us. De nous remplir. To fill us. Peut-être que tu es baptisé. Maybe you are baptized. Peut-être que tu es confirmé. Maybe you are confirmed. Peut-être qu'il y a longtemps que tu es dans l'église. Maybe you are at church last. Mais ta vie n'a pas été le style de Jésus-Christ de Nazareth. But your life has not been the style of Jesus Christ of Nazareth. Ta vie your life n'a pas été adaptée. Has not been adapted. Aux réalités de Dieu. To reality of God. Je vais t'inviter. I would like to invite you. À faire mal à Satan aujourd'hui. To make bad to Satan today. Je vais t'inviter. I will invite you. À prendre une avance considérable. To take an advance. Je vais t'inviter. I would like to invite you. À poser une action prophétique. To make a prophetic action. Je vais t'inviter. I would like to invite you. À provoquer la main de Dieu dans to ta vie. The hand of God je veux in your t'inviter life. I would like to invite you à provoquer Dieu to provoke God pour que avant la fin de l'année before the hand of quelque year, chose de grand se passe dans ta something vie great happen to your tout life. Dépend de ta décision it all depend on tout your dépend decision. De tes résolutions it all depend on your resolution. Je t'en supplie I beg you. Regarde du fond de ton cœur look into your heart. Si tu sens if you feel que tu as besoin d'être vide that you need to be empty et être rempli par Dieu and be filled by God pour que Dieu te donne son esprit so that God gave you et que l'esprit grandisse en toi que l'esprit croisse en toi que l'esprit s'éveille en toi je vais te demander en deux minutes rapidement de ne pas regarder ton frère ni ta sœur à te lever et avancer et à lever les deux mains vers le Seigneur. Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je te demande pardon pour mes péchés. Je regrette avoir fait de la peine. I really regret, Lord.
Je renonce à ma vie passée. I renounce to my past life. Cette vie mauvaise. This is bad life. Cette vie négative. This is negative life. En pensée. In thoughts. En parole. In words. En action. In actions. Pardon, Seigneur Jésus. Forgive me, Lord Jesus. D'avoir été loin de toi. For having been away from you. Je m'appuie sur ta parole. I rely on your word. Pour revenir aujourd'hui à toi. To come back to you today. Et de tout mon cœur. From all my heart. De tout mon cœur. From all of my heart. De tout mon cœur. From all of my heart. Je me cache sous ton sang. I hide under your blood. Je me mets à la croix. Myself at the cross. Je te supplie. I beg you. De te souvenir de moi. To remember me. Je renonce à Satan. I renounce to Satan. Je renonce à ses suppôts. I renounce to his colleagues. Je renonce à toute forme de diable, de démon. Toute forme de démon. Je renonce à toute forme de démon. Je t'accepte encore aujourd'hui. I accept you again today. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. As my Lord and my Savior. Mon Seigneur et mon Sauveur. My Lord and my Savior. Je te livre dès à présent. I surrender to you today. Toute ma vie. Et je te donne libre cours. And I gave you all the d'agir dans ma vie. To add into my life. D'agir dans mon cœur. To add into my heart. D'agir dans mes finances. D'agir dans mon avenir. Pour ma famille. For my family. Pour ma destinée. For my destiny. Je te choisis. I choose you. Avec honneur. With honor. Avec gloire. With glory. Avec fierté. With proud. Je déclare. I declare. Que je suis chrétien. That I'm Christian. Je déclare. I declare. Que je suis enfant de Dieu. That I'm son of God. Je déclare. I declare. Que je suis béni. That I'm blessed. Je déclare. I declare. Que tu es mon père. That you are my father. Tu es mon maître. You are my master. Tu es mon Seigneur. You are my self. Tu es mon sauveur. You are my savior. Tu es mon éducateur. You are my educator. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci de m'avoir accordé. Thank you for granting me la vie éternelle. Everlasting life. Je viens de recevoir. I just have received. Je viens de recevoir. I just have received. Je viens de recevoir. I just have received. Un nouveau mandat. A new mandate. Un esprit spécial. A special spirit. L'Esprit Saint. The Holy Spirit. L'Esprit Saint. The Holy Spirit. L'Esprit Saint. The Holy Spirit. Je décide. I decide. Dès à présent. Right now. Je me laisse guider. Let me lead. Par l'Esprit Saint. By the Holy Spirit. Je consacre ma vie à Dieu. I consecrate my life to God. Je consacre ma jeunesse à Dieu. I consecrate my youth to God. Je décide. I decide. De revivre. Les grâces des sacrements. Je décide de revenir à l'église. To come back to church. De tout mon cœur. From all of my heart. Je décide. I decide. Je décide. I decide. De pratiquer les vertus théologales. Seigneur Jésus, je compte sur toi. Merci de m'avoir appelé ce matin. Thank you for having called me this morning. Merci d'avoir organisé ce temps pour moi seul. I've organized this time for me only. Merci d'avoir pensé à moi. Thank you for having thought of me. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Je t'aime Seigneur Jésus. I love you, Lord Jesus. Je t'aime Seigneur Jésus. I love you, Lord Jesus. Merci pour mon étoile qui commence à briller. Star will start shining. J'accepte de réussir. J'accepte de percer. J'accepte d'avancer. J'accepte qu'à partir d'aujourd'hui, les choses sont renouvelées. Les choses sont renouvelées. Merci pour mon étoile qui brille. Et quelqu'un me dit Amen. Amen.